La voix, leur cœur, elle est noire. Si cette vidéo sort, c'est que j'ai bien réussi à avoir mon permis. C'est quand la fin? J'espère que ça va pas commencer en mode gourmand du permis parce que là, pardon, je suis pas prête. Ah, je l'ai raté, quoi. Je me rebooste. Le A de acquis, le A de permis. J'ai récemment eu mon permis, hier, le 4 octobre, les gars, enfin. Ça allait faire... Eh, ça faisait combien de temps? Ça doit faire 9 mois. Eh, j'ai eu le temps d'accoucher un gosse, frère. Oh, j'ai eu le temps de le créer, le gosse, et de l'accoucher. Le temps que j'ai eu le permis. Mais les gars, c'est pas grave. Le but, c'est juste de finir par l'avoir. Même si on fait le permis 6, 7, 8 fois. C'est pas grave. Le but, à la fin, ce qu'on retient, c'est qu'on l'a eu. Bref. C'est vraiment mon expérience au niveau du permis de conduire. C'est vraiment pas les conseils. Là, c'est vraiment juste mon expérience. Je vous ferai une deuxième vidéo permis de conduire, je pense, avec tous les conseils que je pourrais vous donner au niveau du code et au niveau du permis. Mais là, c'est vraiment mon expérience à moi. En gros, les gars, on commence par le code. J'étais très motivée par le code parce qu'une fois que j'ai entendu permis, 17 ans, nouvelle réforme, j'ai dit pardon. Je crois que vous n'êtes pas bête dans vos têtes. Votre goal va avoir le permis à 17 ans. Ça m'a laissé dès... J'ai 18 ans. Je voulais tellement ce permis à 17... Je voulais tellement ce permis à 17 ans, les gars, que j'ai essayé de tout faire. Mais parfois, ce n'est pas de notre ressort. C'est pour ça que je vous dis, hé, il y a des expériences dans la vie, ça t'apprend. Ça t'apprend beaucoup trop de choses. Et là, ça m'a vraiment appris. Les leçons, là, je les connais par cœur. Je les connais, les leçons. On est en juillet 2023, c'est-à-dire il y a un an. Ouais, on est en juillet 2023 et je me décide enfin de faire ma demande de code NPH. Pour vous dire, ça a pris des mois. Juste à partir de là, j'ai galéré. Alors, on est actuellement le 3 août 2023. Ça fait clairement un mois, tout pile, 5 semaines, que j'ai envoyé mon code, ma demande de code NPH. J'ai toujours rien reçu. On a ma copine qui a, en quelques jours, eu son code NPH. Et quand je regarde, il y a marqué instructeur. Non, non, non. L'instructeur, ils sont en train de regarder. Instructeur, il est où le problème? Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a un problème, dis-moi maintenant. Instructeur, dis-moi maintenant, il y a un problème. Je viens de recevoir un mail pour. Putain, franchement, cette histoire de code NPH, j'imagine même pas le permis. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû appeler. C'est-à-dire que si vous voyez que ça met beaucoup trop de temps, moi, j'ai dû attendre 2 mois, en fait, 2 mois. Appeler, parce qu'au moment où j'ai appelé, ça a direct débloqué le truc. J'ai reçu le lendemain mon code NEPH. Donc si vous voyez que le code NEPH, il vient pas, les gars, appelez. J'obtiens mon code NEPH. Je me suis dit, tu sais quoi, j'établis un sorte de plan. C'est pas ma tête, les gars, je suis vénère, mais je suis vénère dans l'âme. Demain, je passe mon code. J'ai recommencé à réviser. La semaine dernière, il y a une semaine, j'ai pris ma date vendredi. Je passe le code vendredi. Et je suis pas prête. Ah, mes 30 euros. Mes 30 euros. Je mets toute ma confiance dans Dieu, la vérité. Hein. Je vais vous dire la vérité. Moi, c'est Dieu qui va faire. Parce que la vérité, que c'est dur en priorité. Bande de mythos, c'est dur. Quand je révisais au tout début le code, c'était facile. Pourquoi là, c'est devenu dur? Alors que là, je connais plus qu'avant. Et je fais des fautes. J'ai trop mal là. Voilà. Vraiment les gars, je suis vénère là. Vraiment là, j'ai la haine en moi. J'ai haine en moi. J'en ai marre de faire des fautes. En vrai, je comprends pas pourquoi. Pourtant, ma soeur, elle m'a dit, c'est parce que tu fais pas avec le cœur. C'est pas vrai. Je fais avec le cœur, les gars. Parce que je le veux, ce putain de code. J'ai foutu 30 balles, mon argent. Et je vous ai pas dit, mais personne ne sait que je passe le code à part mes deux sœurs. Mes parents ne savent pas et les autres non plus. Les autres qui, je sais pas, mais il n'y a que mes parents, que mes sœurs. Mais je fais des fautes. Alors que, hey, vous savez quand je vous ai donné des conseils là? Juste avant, je crois qu'on va revoir les conseils que je vous ai donnés parce que... Je disais que j'arrivais pas à faire moins de... 6 fautes et tout. Là, j'ai fait 4 fautes, j'ai fait 5 fautes. Par la grâce de Dieu, les gars. Ah, ne perdez pas espoir. Black Lives Matter. Coucou tout le monde. Du coup, c'est le grand jour. Je vais passer le code. En fait, je suis pas stressée. En fait, je suis juste sceptique de me dire, ah, purée, je sais pas si je vais l'avoir et tout. Mais placez votre confiance en Dieu, chers amis. Si vous êtes croyants, gars, je suis au truc d'examen, mais la vérité, c'est ghetto. J'ai peur.
Je vous jure, c'est dans un garage et tout, genre. Pourquoi j'ai pris ici? J'avais pas vu. C'est tout bon pour tous les deux. Ok, parfait. Axel 4 potes et Yasmine 5 potes. Parfait. Donc, vraiment, c'est vraiment de confirmation sur la boîte mail que vous avez réservé de rendez-vous. D'accord. J'ai révisé mon code et je l'ai bouclé du premier coup, tout simplement. J'ai réussi à avoir mon code 35 sur 40. Les gars, de justesse, mais j'ai eu du premier coup. Eh, tellement j'ai chialé ce jour-là. J'ai chialé, wesh. Parce que j'étais trop fière de moi. Je me suis dit, les gars, oula, le code, c'était facile quand même. Hein. J'espère que le permis, ça va pas être difficile. Parce que souvent, les gens, ils ont toujours le goumin du permis. Je connais pas dans mon entourage quelqu'un qui n'a pas eu le goumin du permis, les gars. Qui n'a pas souffert avec le permis, je ne connais pas. Soit tu souffres avec le code, soit tu souffres avec le permis. Moi, c'est le permis qui m'a... Eh les gars, franchement, je vous parle sérieusement, je pensais que j'allais pas m'en sortir. Eh, tout l'argent que j'ai foutu, je vais tout vous dire. J'ai commencé en fait les heures de conduite en janvier 2024 sur Ornicar. Parce qu'en fait, on s'est dit avec mon père, il y avait une sorte de pack et tout sur Ornicar qui était moins cher et tout. Vas-y, on s'est dit, allez, tu sais quoi, chaud. Oh les poules, les coques. On s'est dit, tu sais quoi, chaud, on fait avec Ornicar. J'ai regardé là les avis, tout n'était pas... En fait, c'était vraiment, ça dépend. Et je me suis dit, Yasmina, tant que tu testes pas, tu ne seras pas ma chérie, tu n'aurais tellement pas dû tester. Les gars, n'allez pas chez Ornicar, n'allez pas chez Ornicar. N'allez pas chez Ornicar, c'est moi, je t'ai dit, ne va pas. Va pas. Même si ma cousine... En fait, aussi, ma cousine, elle a eu son permis grâce à Ornicar. Et donc, je me suis dit, elle, ça a marché, moi, ça a marché. Mais il y a plus de raisons que ça marche pas que ça marche, les gars. Je suis désolée, c'est vrai. Donc, je suis allée avec Ornicar parce que bah, l'heure, elle était à skip moins cher, mais en vrai, non. L'heure, elle était à genre 55-54 euros l'heure, voire 50 euros l'heure. D'accord? Donc, je suis là, je galère. Bref, les gars, aujourd'hui, c'est ma première heure de conduite. Donc, je crois qu'on va juste faire le volant d'après ce qu'on m'a dit et d'après ce que je regardais sur YouTube. Je suis pas stressée. Je suis juste perplexe. Genre, je suis un peu sur mes positions parce que du coup, je connais pas le mec, c'est un raciste. Ça, je sais pas. T'as vu, je sais pas. Donc, voilà. Vive les sourcils marron. Bisous. Mon moniteur, exécrable, frère. Il était exécrable. Il s'appelait Alain. J'en ai rien à taper. Donc, on est là et tout avec mon moniteur. Premier jour, pompélope, les gars. Premier jour, je dead ça. Je dead ça. Je conduis le bail. Passe la première, passe la deuxième. J'avais déjà conduit, mais c'était il y a 2 ans, frère. J'étais pas... Deuxième heure de conduite. 3 jours après, catastrophe. Hello, les gars. J'espère que ça va pas commencer en mode goumin du permis parce que là, pardon, je suis pas prête. Les gars, on a ma deuxième heure de conduite, je chiale déjà. Est-ce que c'est normal? Je ne crois pas. Les gars, j'ai la haine en moi. J'ai haine en moi. Tout. La première heure de conduite, pépite, elle se passe super bien. Bref, une semaine plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi 15 janvier. En fait, déjà, il me fallait le temps de réassimiler une semaine. Ça fait une semaine, je n'ai pas conduit, je ne suis pas pilote, mon ref. Wesh, doucement. Fallait que je réassimile, en fait, le fait de comment démarrer, comment passer la deuxième, comment accélérer, comment démarrer en accélérant. Wesh, laisse-moi le temps de me souvenir du truc. Je crois pas que je suis pilote de course de Formule 1, frère, non. C'est pas comme ça, la vie. Moi, ça m'a saoulé. Du coup, je suis là, je galère et tout. J'ai envie de chialer et tout. Lui, il fait des trucs sarcastiques. En fait, je sais pas s'il rigole ou s'il a envie de te donner une baffe. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'énerve. Genre, vraiment, ferme ta bouche, en fait. Genre, t'es Adala ou quoi? C'est la première fois que je conduis. Tu crois que je vais être pilote? C'est la deuxième fois. C'est ma deuxième heure. Ok, j'ai déjà conduit. Avant, c'était l'année dernière. Et lui, je pense qu'il croyait que j'étais pilote. Carrément, il me dit, ah, t'as une mauvaise habitude. Mauvaise habitude de quoi? J'ai même pas le temps de m'habituer que j'ai des mauvaises habitudes. T'es bizarre, toi, en fait. Vas-y, ça m'a saoulé et tout. En fait, il y a des réflexes que j'avais pas et tout. En plus, tu me cries dessus, ça me vénère. J'ai plus envie de faire, ça me décourage. J'ai envie que l'heure, elle passe vite. Tu vois, du coup, voilà. Vas-y, m'a saoulé. Là, j'ai encore... En fait... En plus, là, j'ai encore une... J'ai bien chialé, hein. Quand je suis sortie de là-bas, j'ai bien pleuré. Regardez bien ma tête, j'ai bien pleuré. Je suis rentrée à la maison pour bien pleurer. C'est bon? Je suis rentrée et tout. Vas-y, j'ai appelé ma soeur, j'ai bien chialé, là. J'ai bien... jeté le moniteur. Vraiment, j'ai la rage. Là, je suis à 2 doigts de changer de moniteur, mais je me dis, vas-y, je sais pas. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, j'ai de l'anxiété. Déjà, on conduit même pas sur... Déjà, pour commencer, t'es sur un parking. Moi, je suis sur la route. Je suis en ville, frère. Je suis sur la route normale. Vas-y, m'a saoulé.
J'ai cours encore, j'ai une heure de conduite jeudi, dans 2 jours. Mais la vérité, que j'ai même pas envie d'aller en fait. Carrément, ça m'a découragée, j'ai peur. Genre, tu vois, maintenant, vas-y. Moi, la vérité, je suis pas une meuf qui stresse. Hein. Je suis pas du tout le genre de personne qui stresse, le genre de personne dans l'anxiété. Je suis pas comme ça. Il m'a créé une angle de l'anxiété là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que jusque-là, j'ai dû dépenser à peu près combien d'heures de conduite, combien d'argent. Franchement, dans ce permis, j'ai fait un total, je pense, de 50 heures, 51 heures. En fait, franchement, ça varie. Hein. Il y a des gens, ils font en 20 heures. Et en fait, tu te sens... En fait, ce truc, ça te fait... Oh, quand tu vois que tu commences à faire... Et il m'avait dit combien d'heures je devais faire. Il m'a dit, pour toi, c'est 30 heures. Je me dis, 30 heures, ça va. L'équivalent, en général, en France, c'est 27 heures. Je me dis, 30 heures, tranquille. La moyenne, c'est 27 heures. 30 heures, c'est faisable. 50 heures, non, mais s'il vous plaît, les gars. Ça m'a laissé des... Tout laisse. Je suis encore... J'arrive même pas à capter que j'ai le permis. Donc, j'ai dû au moins mettre... 3000 euros dans le permis. Plus de 3000 euros dans le permis. Mais les gars, c'est tellement cher. Eh, mais heureusement, franchement, je remercie mes parents de m'avoir... Eh, faut que je leur dise merci à mes parents. Et franchement, c'est mes parents, c'est ma mère et mon père et mon beau-père qui ont mis l'argent pour... surtout mon père, merci papa. Qui ont mis l'argent dans mon permis. Donc franchement, ça, c'est pas tout le monde. Les gars, économisez. Économisez. Des fois, tu penses que tu vas faire 20 heures. Ton auto-école, c'est tellement de la merde qu'ils vont te faire faire 50 heures. Donc il y avait beaucoup de problèmes, en fait... avec Ornicar et avec mon moniteur, parce qu'il me saoulait, frère Alain. Il était exécrable, il faisait des blagues, même pas... En fait, c'était même pas des blagues, c'était du sarcasme. J'ai horreur de ça. Et ça donne pas envie. Moi, tu me parles pas avec délicatesse, j'ai plus envie. J'ai envie d'arrêter la voiture et descendre et te laisser planter là, en fait, tu vois. Les gars, la conduite n'a souffri, n'a souffri, n'a souffri. Je souffre. J'en peux plus. J'en peux plus, les gars. J'en suis qu'à 6 heures de 7 heures de conduite. C'est quand la fin? En fait, déjà, les gars, mon moniteur, je le trouve. Il m'apprend et tout cool, mais il est pas patient. Et dès que tu fais une faute, c'est tu me casses les couilles. Arrête de... Enfin, excusez-moi. Tu saoules, arrête de faire ta caté. Il te fait bien comprendre. Et moi, ça me saoule. Moi, je suis susceptible, les gars. Je suis la susceptibilité en personne. C'est-à-dire que toi, t'es là, tu me fais des remarques en mode bien vénère. Et tu crois, j'ai encore envie de conduire. J'ai envie d'arrêter la voiture, de descendre et de me barrer, en fait. C'est tout. J'avais pas envie d'y aller. J'étais fatiguée. Je voulais pas. Donc, je suis là. Le gars, on arrive au mois de mars, je crois. Je lui dis, bon, il me dit, je crois qu'il va faire... On est à 23, 27 heures, je pense. On est presque proche de la fin. Et je me dis, on n'a toujours pas pris la date. Les gars, on a passé 5 heures sur les ronds-points. 5 heures sur des fucking ronds-points, d'accord? Donc, je suis là et tout. C'était grave compliqué. Au moins 5 heures au niveau des ronds-points, ce qui est vraiment, je trouve, beaucoup. J'ai galéré. Quand je vous dis j'ai galéré, j'ai galéré. Du coup, ensuite, je lui dis, faites Alain, t'as... monsieur, est-ce que vous avez pris les heures de conduite? Enfin, vous avez fait la demande d'examen? Il me dit, je ferai la demande d'examen demain. Je dis, ok, on se revoit, toujours pas de demande en vue, je vois rien. Le permis, c'est pas camarade de quelqu'un, les gars. J'en ai marre. J'en suis à genre peut-être ma 26e heure. J'ai plus de sous, je suis fauchée, frère. Il m'avait dit entre aujourd'hui et demain, nous sommes le 23 mars, on prend une date. On n'a pas pris de date. J'en ai marre, les gars, je vous jure. Le permis, c'est pour moi. Je relance 2 semaines plus tard, je me dis, monsieur, vous avez fait la demande? Il me dit, ah, on l'a pas déjà faite? Ben non, en fait, t'es en train de me faire khalas. Alors que non, non, on n'a pas du tout fait la demande, tu vois. Et les gars, quand on me dit que la conduite, c'est l'une des pires expériences de sa vie. Je croyais pas, mais je vous jure, maintenant je crois. J'ai déjà dépensé 2000 euros. 2000, les gars. 2000. 2000 fucking euros. Garde encore espoir, hein, parce que vas-y, faut pas baisser les bras et tout. Non, non, mais je vous jure que c'est pas l'épreuve du permis en soi qui est compliquée. C'est l'argent. Quand tu vois l'argent, j'ai pas l'impression d'avoir des difficultés de fou, mais. Je sais pas pourquoi. Eh, il s'appelle Alain, mon moniteur. Alain, prends la putain de date.
Oh là 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 là. Ah, j'en peux plus. Si cette vidéo sort, c'est que j'ai bien réussi à avoir mon permis. Donc je vais continuer à garder espoir. Je suis une bête de meuf, une bête de gauche, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Le bac, je vais le boire comme ça. Le permis, je vais le boire. Je vais boire les deux, je vais tout boire. Là, c'est maintenant, c'est l'année du succès, les gars. 18 ans, 17 ans, c'est l'année du succès pour moi. C'est bon ou pas? Je vais y arriver devant, placer notre confiance en Dieu, entre les mains de notre Seigneur, et ça va aller. Je me rebooste. Non, ça va aller. Donc, à partir du moment où j'ai fait la demande, et le jour de l'examen, j'ai attendu 3 mois, ce qui est énorme. 2 mois pour avoir la date et 1 mois d'attente de la date à l'examen. Ce qui est énorme. Du coup, entre ces 3 mois, il faut bien que je conduise. Donc, il faut bien que je mette de l'argent à nouveau. On arrive à l'examen. Confiante. Je ne suis pas une meuf qui stresse. Je me dis, je me fais confiance. C'est quoi, Yasmina? Ça va le faire. Les gars, demain, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Nous sommes le 2. Juillet, c'est demain le jour que j'attends depuis janvier, depuis 6 mois. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je passe demain à 8h du matin. Je stresse pas. Mais je me dis, Yasmina, attention. Mais de toute façon, moi, ma confiance, je sais déjà où elle est. Devant. Donc, tranquille, mais tranquille, tranquille. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Gars, ça y est. Nous y est, c'est le grand jour. En fait, il est 7h du matin, je me suis levée à 6h. C'est bon, c'est le moment que j'attends depuis, c'est le moment Willy Dumbo en fait. Je suis pas stressée pour le moment, mais je suis un peu en mode, damn, Yasmina, s'il te plaît. Fais l'effort de réussir ça. C'était un putain d'angle mort. Et là, c'était le moment où il y avait le RN et tout, c'était là, le F, Front Populaire, nouveau Front Populaire, le RN. L'examinateur, c'est un raciste. Je m'en fous. Il n'y a pas d'autre explication. C'est un big raciste, en fait. C'est un raciste. Et supplément, mon moniteur, c'est une tête de... C'est un Adala. Supplément, mon moniteur, c'est un Adala. Et l'examinateur, c'est un raciste. En plus, il avait une barbe de viking et tout. Ça se voyait, il avait voté RN la veille. La vérité. Je dead la conduite. On arrive à un rond-point. On se dirige vers le centre d'examen pour rentrer au centre d'examen. Je suis là... Il me dit, tourne de l'autre côté, tu prends la première sortie au rond-point. Première sortie, c'est juste à côté. C'est pas que je fais pas le tour, juste là. Il y avait une voiture un peu plus loin, genre, on va dire, à la quatrième sortie, à la deuxième sortie. À la deuxième sortie, moi, j'étais à la première sortie. Je m'engage, il freine. Je dis, bah, je vois ma vie défiler. Et je dis, je regarde, il me dit, c'est dangereux ce que vous faites et tout, je sais pas quoi. Faut attendre que le rond-point soit vide. Ça, c'est du code de la route. Faut attendre que le rond-point soit vide pour pouvoir passer. Écoutez-moi bien de vos deux oreilles. À part à 4h du SBA, à part à 3h du matin, vous ne verrez jamais un rond-point en France métropolitaine vide. Je suis désolée, faut arrêter les conneries. Vous et votre code de merde, là. Désolé, je parle mal. Hein. Vous et votre vieux code, là. Des trucs qui sont même pas réalistes de la vraie vie. Non, mais s'il vous plaît, sécurité routière, je veux bien mes dosons. Donc, depuis quand il faut attendre que le rond-point soit vide? Zéro personne dedans pour s'engager dans le rond-point. Je n'ai jamais vu ça. Mon moniteur ne m'avait pas appris ça. On rentre au centre d'examen, je suis dévastée. Parce que quand vous dire, j'ai répondu 3 questions, je me suis garée, j'ai conduit autonome, nickel. Bouchon, anticipation, carrément mon moniteur, il avait dit à l'examinateur, oula, belle anticipation, c'était la première fois que le game shed, pour vous dire. Et je le rate. Donc mon moniteur, il vient à la fin de l'examen, il me dit, mais pourquoi tu t'es inséré dans ce rond-point? Je regarde, je lui dis, mais c'est vous qui m'avez toujours appris. Tu me criais dessus, gars. Le bouc, qui me criait dessus pour que je m'insère dans les ronds-points. Et là, il me dit, pourquoi tu t'insères dans le rond-point? Je lui dis, mais c'est vous qui m'avez appris comme ça. Il me dit, ouais, ça, on le fait dans la vraie vie. Mais à l'examen du permis, on le fait jamais. Mais dans la vraie vie, personne ne respecte cette règle. Mais dans le jour de l'examen, tu dois la respecter, cette règle. Moi, j'étais en mode, il se fout de ma gueule. Donc, pourquoi tu m'apprends pas à rouler comme à l'examen? Pourquoi tu m'apprends pas à rouler comme à l'examen, mais toi tu m'apprends ta conduite ghetto? En soi, elle n'est pas ghetto, mais c'est la conduite. Enfin, apprends-moi à rouler comme il se doit en examen, pas à rouler dans la vraie vie. Moi, je m'en tape, je vais avoir mon examen, je m'en fous, en fait, tu vois. Après, tu me diras, ouais, tu roules comme ça. Mais tu m'apprends pas à rouler comme ceci, alors que le jour de l'examen, je dois rouler comme cela. Je t'ai dépité. Je n'ai pas pleuré hein, ce jour-là.
J'ai archi pas pleuré, j'étais là. On s'est dit bon. Ah, je l'ai raté, quoi. En fait, genre. J'en ai marre. J'ai envie de passer avec ma bouteille. Non, mais je vous jure, en fait. Je vous jure, méfiez-vous des gentils. Quand à la tête, ils ont une tête de gens gentils. Parce qu'ils sont vraiment mauvais. Ça se voit, leur cœur, il est noir. Je vous jure, ça se voit, leur cœur, il est noir. Wesh, comment tu peux faire ça à un humain? Oh, le bâtard! Oh, c'est le moment où il faut. Les gars, je pouvais passer, je pouvais m'en serrer dans son fucking rond-point de merde. Mais il a appuyé. Non, mais c'est pas possible! Bref, c'est pas grave. Dieu est au contrôle, tu sais quoi? Pas grave, tant pis, j'ai accepté. Mon cœur était très fermé, hein, mais j'ai accepté. Ensuite, depuis ce jour-là, l'été est passé. On arrive au mois de septembre, récemment. J'arrive à Mayotte, donc je déménage entre-temps. J'arrive à Mayotte. Je m'inscris à l'auto-école une semaine. On me trouve une date directe. J'arrive, je m'inscris direct. Il me trouve une date. La semaine d'après. On est genre mercredi. Non, on est lundi. Il me trouve une date pour mercredi prochain. Direct. Et il me dit, t'es chaude? J'avais déjà fait 42 heures. 42 heures. Et entre-temps, j'ai dû faire 6 heures. Entre-temps, sans compter l'examen, j'ai fait 6 heures depuis que je suis à Mayotte. Enfin, une semaine là, de le jour où je me suis inscrite au jour de l'examen, j'ai fait 6 heures. Des heures de conduite à des heures, mon frère. T'as pas idée, wesh. Des heures. T'as pas idée, il est 6h du bar, 5h encore, je suis levé à 5h. Chaos. Let's go. Bon, je me filme tant que le bodyteur il arrive. J'ai une tête de schlag, les gars. Mais bon, donc en fait, le problème de cette voiture, c'est que c'est une essence. C'est-à-dire que les pédales laissent tomber. Et là. Coucou les gars, calculez pas mes sourcils. Oh, quand j'ai pas mes sourcils faits, je ressemble à un ogre. Je dois aller faire un brow lift, bref. Les gars, alors là, je suis à ma 5e heure de conduite et j'en ai 2 jusqu'à l'heure du permis. Genre 1 heure avant le permis et 1 heure pendant le permis qui compte dans les heures de conduite, t'as capté? Du coup, voilà, mon moniteur, il m'a dit que j'avais les capacités. C'est juste à moi de pas faire de la merde. Donc c'est vraiment entre mes mains, genre. Je connais mon karaté, tranquille. Eh, les gens, ils disent qu'écouter à Mayotte, c'est facile, mais les gars, c'est facile, oui. T'as pas tout ce qui est feu, t'as pas... Enfin, feu, c'est rien de compliqué. Mais t'as pas, par exemple, les ronds-points et tout ça, t'as pas. Ça, tu l'as pas à Mayotte, mais faut être vigilant. Parce que t'as des gens qui traversent n'importe comment, t'as des voitures qui se garent sur la route. C'est pas tout le monde qui respecte le code, c'est un peu ghetto d'un côté, quand même. T'as beaucoup de virages... T'as les limitations de vitesse et tout ça, c'est ça qui est un peu plus compliqué. On arrive le jour de l'examen, je me suis dit, allez, confiante, moi je suis pas une meuf qui stresse, même si t'as toujours l'adrénaline. Au point de la crème, les gars, que c'est l'heure du permis aujourd'hui à 9h30, les gars, Inch'Allah, je l'ai. Si. Je l'ai, en fait. Il n'y a pas de si je l'ai pas parce que je l'aurai. Allez. Direct, l'examen il a à peine commencé, je suis pas toujours en première, toujours en première. On était 3 à passer ce jour-là, on était 4, une seule personne l'a eu ce jour-là. On est là, on arrive à Chiconi, je sais pas si les gens qui sont de Mayotte, on arrive à Chiconi, sur la baie, le long de la baie. Une voiture était garée sur la route. Et moi, la distance de sécurité, la distance entre la voiture et moi, et la voiture qui était garée, était pas assez.
Et pour moi, je voyais comme s'il y avait de la place et comme si j'empiétais sur la route de quelqu'un d'autre. Je collais trop à droite. Il a tourné. Et il a touché le volant. Il m'a tourné. C'était le début de l'examen. On était à 2 minutes de l'examen. J'avais la haine. J'avais la mort. J'avais la haine. Mais je me suis dit, c'est quoi, Yasmina? Continue de tourner. Attendez, j'ai oublié de préciser. En plus, il faisait que me dire, veuillez vous éloigner de à côté du bord de la route. Veuillez vous éloigner, s'il vous plaît, du droit de la route. Veuillez vous... Il a dû me dire ça 4 fois. La gueule n'a pas saisi l'info. Hein. Elle continue à rouler. Tout le long de l'examen, c'est super bien passé. Nickel, je me suis garée. J'ai répondu aux questions. Nickel. Pas de surprise, il a touché, je ne l'ai pas eu. Et du coup, mon moniteur, il me dit, hey, c'est juste ça qui t'a tué. C'est juste ça qui t'a tué. Sinon, t'étais nickel. C'est juste ça qui t'a tué, en fait. Fallait que tu te décales, en fait. Pourquoi tu t'es pas décalé? Mais bon, vas-y, je suis Adala un peu dans ma tête, je pense. Et du coup, voilà, je l'ai raté. Bon, j'étais un peu dégoûtée, mais... J'ai pas pleuré aussi. J'avais déjà trop pleuré. Avant, je me suis dit, Dieu, tu as le contrôle, tu peux pas me donner, j'aurais pas. Tant pis. Mon moniteur m'a dit c'était une petite faute, genre vraiment c'était rien. C'était rien de grave, ce qui fait que tu peux repasser le permis même sous 3 jours. Mais bon, lui il avait des dates que dans 2 semaines. Donc il m'a replacé dans 2 semaines. J'ai pas conduit jusqu'à la veille de l'examen. J'ai conduit 1h30 la veille de l'examen. Tête de mort pour pas changer. On ira de mettre les anciens. Ça c'est voilà, j'ai conduit, je t'arrive pas bien conduit. Eh les gars, quand je vous dis moi je connais mon karaté, mais les gars, on peut savoir conduire, mais il suffit d'une petite erreur, un petit truc. Ce jour, juste le jour là où t'es, les 30 minutes là où on t'examine là, ça dure même pas 30 minutes. Les 30 minutes où on t'examine pour foutre en l'air, même si tu sais conduire, je vous jure. Mon moniteur il m'avait dit quoi? Il m'a dit, il est moniteur de ton école et tout, hein. Il me dit, moi tu m'emmènes dans un endroit où je connais pas, même moi je peux rater le permis. Je peux rater le permis si je connais pas l'endroit. Si... Même si je suis un conducteur, mais je peux rater le permis. Pour vous dire, il suffit de rien pour rater le permis, pour tout faire basculer. Donc, on arrive le jour de l'examen. Je stresse comme pas possible parce que t'as peur de le rater parce que tu l'as déjà trop raté. C'est le moment Willy Dumbo. Oula, c'est quoi ça? C'est le moment, le troisième moment. Mais bon, c'est Dieu qui donne, les gars. J'ai essayé de faire un effort vestimentaire parce que j'ai l'impression que toutes les fois où je suis allée, j'ai pas fait d'effort vestimentaire. Par contre, visiblement parlant, aucun effort. Voilà. J'ai fait un effort vestimentaire. J'ai mis un voile rose en full black et le sac qui est accordé. C'est ça. Bref, voilà. Et bref, tranquille. Moi, je suis pas une meuf du stress, mais j'ai un peu une petite. C'est normal, mais c'est stressant quand même parce que tu te dis putain. Mais tranquille, frère, si je dois pas la voir, c'est Dieu qui donne. C'est quoi? J'ai pas pleuré toutes les fois que j'ai raté. Mais là, je vais la voir. Parce que, en fait, c'est Allah qui va décider s'il me le donne ou pas. C'est la troisième fois que je le repasse. Je me dis, Yasmina. Oh, la bouche, je vais laver! Je me dis, ça fait déjà beaucoup. Yasmina, ça fait beaucoup de fois que tu le rates. Tu veux pas décevoir tes parents. Tes parents, ils ont mis de la thune. Tes parents, ils ont plus les talons pour mettre l'argent dedans. Et supplément, cette semaine-là, il nous est. Enfin, dans ma famille, enfin. Chez moi, il nous arrivait pas mal de galères, pas mal de grosses galères. C'est-à-dire qu'il fallait un peu de joie dans nos cœurs. Je sais pas, il fallait un peu de bonheur. Il fallait un peu le bonheur. C'est à moi, je passe en première. Dis qu'il passe en première. Moi, comme ça, c'est fait. Je regarde le compteur kilométrique. Comme ça, je mesure les questions. J'anticipe les questions. Et j'avais toujours 3 sur 3 sur les questions, parce que c'est facile. J'anticipe les questions et tout. Comme ça, au moins, j'ai déjà les 3 points. Et j'ai eu mon permis, là, sur 23 sur 31. On s'en fout de combien t'as. Je crois qu'il faut 21. Je crois qu'il faut 21 pour avoir le permis. On s'en fout, les gars. Tant qu'on a le permis, on s'en fout de combien, même si t'as eu 21. Même si t'as repassé 17 fois. On s'en fout. Tu as les capacités. C'est... Le dada, il était en retard et tout, parce que c'était un papy. Il était en retard. L'examinateur, il était tard en retard et tout. Je passe en premier, j'y vais, j'oublie tout le temps, je conduis, j'étais stressée, j'avais envie d'aller aux toilettes, maman Nangaye, j'avais tellement envie d'aller aux toilettes, mais moi je suis une meuf, je retiens, je peux, de 5h du matin jusqu'à 16h, 17h quand je rentre chez moi, je ne vais pas aux toilettes parce que j'ai la phobie des toilettes, donc je sais me retenir, là j'avais envie d'aller aux toilettes, je sentais le bail, je sentais le truc, et si je devais passer, j'avais pas le choix parce qu'il n'y a pas de toilettes.
Et en plus, ce jour-là, j'étais en période. C'était le premier jour de mes menstruations. C'était le premier jour de mes règles. Oui, je suis obligée de préciser. C'était le premier jour de mes règles, c'est-à-dire quoi? J'avais mal au dos, j'avais mal au ventre, j'avais mal aux jambes, j'avais mal de partout, je me sentais pas bien. T'as capté, j'avais mal à la tête. Et avant de partir, j'ai dit à ma tante, et j'avais pas dit que ça s'est permis, je disais à ma tante que je voulais un Doliprane, elle m'a dit non et tout, prends pas de médicaments, tu reviens quand tu finis ta conduite, tu reviens parce que on sait jamais et tout, prendre des médicaments et tout, quand tu conduis, vas-y, c'est pas le top. Donc je l'ai écouté, mais j'avais... je me suis dit aujourd'hui, c'est vraiment Dieu qui me le donne parce que là... J'étais vraiment pas dans mon assiette. Vraiment, j'étais pas dans mon assiette. Et j'oublie les contrôles, frère. J'oubliais les contrôles alors que je suis une go des contrôles. J'oubliais les contrôles et tout. On arrive, il me dit, tu vas à Sada. Je me suis dit, mais Dieu merci. Je voulais pas rentrer dans Chicony, dans toutes les ruelles, pour ceux qui connaissent. Je voulais pas rentrer dans Chicony et tout, hein. Avec les priorités, je voulais pas. J'ai pris la grande route, je suis allée à Sada. Je me suis arrêtée à la gendarmerie. On est rentré dans le parking. J'ai fait mon bataillon marche arrière. Il a dit, excusez-moi, je te prends cet appel. Il a téléphoné, au moins, genre. Il y a une mouche. Il a téléphoné, l'examinateur était au téléphone, genre pendant 5 minutes. 5 minutes, le bouc était au téléphone. Il a fini, il me posait 3 questions. Je dis mon compteur kilométrique. Hop, hop, hop. Au final, il a dit, vas-y, flemme, il regarde pas le truc. Il m'a dit, poser des questions au pif. J'ai répondu. Il m'a dit, allez, jeune fille, on y retourne. On y retourne. Et au moment, il faut tourner. Quand on arrive au Daraja, genre au pont, à Chicony, j'oublie. Je pense bien, parce que mon moniteur, il me dit toujours, tu fais ton... Quand tu tournes, tu fais l'angle droit, t'as capté, tu tournes pas en coupant. Vraiment, tac, tac. Donc, je fais, et il me dit, à droite, à là. Et j'oublie le clignotant. Je me dis, putain, j'oublie le clignotant. Les gars, j'avais oublié le clignotant. Mais heureusement, la voiture qui était en face de moi, elle était loin. Et la voiture qui était derrière moi, elle était loin. Donc, vas-y, je continue mon bail. Carrément, l'examinateur, il me fait m'arrêter en pleine route et tout. Je regarde la personne et tout. Il me fait arrêter pour parler avec une autre auto-école et tout qui était à côté de nous. On reprend. On conduit. Et voilà, j'arrive au centre d'examen. Je m'arrête. Et après, il me pose la question. Il me dit, jeune fille, les contrôles. Il dit, oh ma grande, les contrôles, ça va pas du tout. Je me dis, putain, je suis foutue. Il me dit, vas-y, si tu veux tourner à gauche, dis-moi comment on fait pour tourner à gauche. Je me suis dit, ça c'est la dernière chance qu'il me laisse. C'est la chance qu'il me laisse. Donc moi je lui dis, rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort, clignotant. Il me dit, voilà, j'ai envie de te taper. En plus, il faisait des blagues et tout. Il me dit, ah vas-y, j'ai envie de la frapper, elle. Bref, voilà. Et je suis en mode, monsieur, s'il vous plaît. Vraiment, comme ça. Moi je suis la pire. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Comme ça, comme il y a de la bref. Et du coup, je finis, je descends, je dis, au fichier, je sais pas. Parce qu'en fait, je savais pas parce que j'avais oublié le clignotant. C'est grave quand même d'oublier le clignotant. Là, j'ai passé, franchement, je sais pas. Je savais pas vous dire. Je suis KO, j'ai sommeil là. Et du coup, voilà, on rentre. Et là, on se regarde tous. Et moi, j'ai dit, mon moniteur, il nous dit, alors toi, dis-moi, c'est quoi le délire? Toi, dis-moi, c'est quoi le délire? Toi, dis-moi, c'est quoi le délire? Moi, j'étais en mode. J'ai pas envie d'en parler. Je dis, c'est bon, on parle pas, s'il vous plaît. Parce que moi, j'avais la haine. Je me suis dit, pour moi, je l'avais pas. Dans ma tête, je me suis dit, je l'ai pas, frère. J'oublie l'angle. J'oublie tout le temps mes angles morts. J'oublie tout le temps mes. Alors que j'ai jamais oublié de mettre le clignotant. Mais c'est le stress, tu vois. J'ai jamais oublié de mettre le clignotant quand je conduisais. Mes angles morts, mes trucs et tout. Je l'ai fait de base. Mais là, le stress m'a fait oublier plein de trucs. Et du coup, on arrive là-bas. Il me dit, 1 sur 3. On était 3 à passer le truc. Et les 3 filles, c'était sûr qu'elles l'avaient pas parce qu'ils ont touché. Les pédales et le volant. Bref, le moniteur, il avait touché. Et j'ai vu les larmes aux yeux. J'allais pleurer, mais je me suis dit, Yasmina, pleure pas. Du coup, en gros, moi, mon moniteur, il m'a fait comprendre en gros que je l'avais quoi. Du coup, en gros, je l'ai eu. Moi, il me dit, mon moniteur, il me dit, de sûr, je me trompe jamais. Toi, le permis, tu l'as. Tu l'as le permis, t'as pas fait de faute de l'atteinte jusqu'à on te donne pas le permis. Rien d'éliminatoire, tu l'as. Mais moi j'étais en mode, je sais pas. Mais il m'a dit, allez, vas-y, on fait la photo pour le permis et tout. Moi je t'ai dit, je me suis jamais trompée depuis que je suis moniteur. Je me suis jamais trompée. À chaque fois, moi je sais si les élèves ils l'ont ou ils l'ont pas. Moi j'étais en mode, bon. Après j'ai dit à ma maman et tout, c'était la fête et tout. J'étais trop contente. Les gars, j'ai envie de pleurer ma face. En fait, il me dit que je l'ai. Il me dit. Tu l'as en fait, frère. Juste, il me l'a pas dit. Parce qu'il a dit, en gros, 3 sur... il me dit 3 sur... il me dit quoi? Il me dit 1 sur 3.
Et du coup, le gars, il a pas répondu, il a regardé. Comme ça, ça veut dire que oui. Il me dit, hey, je me trompe jamais, tu vois. Mais il m'a dit, j'attends quand même minuit. Et normalement, c'est bon. Les gars, le ferme, j'ai envie de pleurer. Maman! Maman! Oh maman! Mais je me suis dit, j'attends quand même ce soir avant de le dire. Je me dis, j'attends quand même ce soir à minuit le lendemain avant de le dire à tout le monde. Du coup, là, j'attends aujourd'hui, quoi. Avant de le dire à tout le monde. Après, j'avais quand même dit à mes soeurs, à mon père, à mon beau-père et à ma grand-mère. Et du coup, voilà. Avant de dire à tout le monde. Et j'avais envie d'avoir une preuve pour envoyer. Félicitations. Ah, est-ce que je suis une grosse prouveuse, les gars? 5h30 pétante, je me suis réveillée toute seule. Je me lève. Tac, 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 je me connecte. Félicitations, ma Yasmine et Marie. Ah, c'est gâté! J'étais trop contente. Du coup, j'envoie à tout le monde. J'envoie à tous mes proches. Et là, je suis en train de filmer la vidéo parce que je suis permifiée, les gars. Je suis permifiée, en fait. Donc, les gars, je suis tellement contente. Même si, bon, le nouveau combat, c'est la voiture. Parce que, du coup, ben, on n'a plus de voiture. Ouh, c'est dommage. La voiture, elle s'est pétée le lundi. Je l'ai eu vendredi, le permis, pour vous dire. Donc c'est pas grave, de toute façon le permis je l'ai, ça c'est qu'un détail le reste. Donc voilà les gars, mon expérience de permis, c'était très compliqué, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, mais à la fin beaucoup de joie. Et les gars, c'est vraiment quand c'est vraiment sur de, ce genre de nouvelles où vous voyez si vos proches ils sont contents pour vous ou ils sont pas contents pour vous, je vous jure, c'est là où vous voyez les hypocrites. Bref, voilà les gars, en tout cas je suis super contente. Je vous ferai donc, ce sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais je vous ferai sûrement une vidéo code de la route et soit code de la route et comment mes tips, mes astuces code, parce que ça, au niveau du code ça j'en ai, franchement j'ai un bon planning là, j'ai un bon truc pour réviser le code en un mois ou même en 2 semaines, genre bref, pour le code. Et aussi quelques conseils pour le permis, même si pour le permis franchement je sais pas trop si voilà. Aussi j'ai oublié de préciser, j'ai passé mon permis chez à l'auto-école à Ouangani et aussi oublié de préciser, à Mayotte l'heure elle est moins chère, c'est à dire que l'heure ici elle est à 45 euros, alors qu'en France elle est à 50 euros, 55 euros voire 60 euros dans des auto-écoles. Et ici, les dates, ça coule à flot. C'est-à-dire que des dates, il t'en donne, il en a toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que lui, il ne te fait pas perdre ton temps. Tu veux une date, il t'en donne une, si tu es prêt, bien sûr. Il te donne les dates. Et il fait aussi le permis accéléré. Mais par contre, il fait... Il y a des vaches. Désolée, j'habite à la campagne. Il y a des vaches. Il fait la boîte manuelle, mais pas encore boîte auto. Mais il fait pas boîte auto, donc pour ceux qui veulent faire la boîte auto, bah il fait pas boîte auto. Mais il fait boîte manuelle. Bref, mon petit A. Le A de acquis, le A de permis. Je suis trop contente, les gars. Donc je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, les loulous. Et vous aurez le permis, c'est moi, je vous ai dit. Le combat, il est rude. Mais le combat, il est vrai. Non, je déconne. Vous allez avoir le permis. Vous ne vous découragez surtout pas. Parce que, franchement, c'est une épreuve de la vie, je vous jure. Par exemple, moi, le permis, le brevet, je l'ai eu. Le bac, là, je l'ai eu. Le code, je l'ai eu. Tout ça, avec entre grandes guillemets, de la facilité. Et là, ça m'a vraiment montré que, Tasmina, tout n'est vraiment pas facile. Et là, je l'ai vraiment vu que tout ne peut pas toujours se passer comme on veut. Tout n'est pas toujours facile et au final, c'est des choses qui nous font grandir. C'est des phrases bateau qu'on entend tout le temps, mais c'est vrai. C'est des choses qui nous font grandir et au final, qui nous apprennent beaucoup de choses. Après la souffrance, les gars, il y a le bonheur et la joie. Bisous!